toute ma vie, j'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Jiran, même après la chute de Méridian, je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauf toi. Comment ? Pourquoi ? À chaque site de fouille attaqué, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame, et je t'aurais tué. Assassiné, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin ? Cette cicatrice sur ta joue, tu n'as pas pu finir. Oui, je me souviens. Un beau combat pour un sauvage. Il s'appelait Rost, et il avait plus de valeur que tu n'en auras jamais. Un homme de valeur n'aurait pas terminé les entrailles répandues au sol. Non, c'était autre chose. J'aurais pu t'abattre avant qu'il attaque. Mais non. Cet échec m'a poursuivi et a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé, là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouille et tuerais mes hommes. Mais aussi, il était dit que je te capturerais, ici, pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être, prédestiné, écrit à l'avance. Sacré destiné. Tu ne fais que suivre des ordres, ça n'a rien à voir avec un dessein cosmique. Tu es un pantin, et c'est Hadès qui tire les ficelles. Un pion manipulé par des forces plus grandes. Ça serait risible, si ça n'engendrait pas tant de violence. Hadès est une machine des temps jadis, pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que faire de Méridian. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi ? Tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil. La moitié de chaque élément de la nature unie sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, les ténèbres pour la lumière. Tu te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes ? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément, et maintenant tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas, tu sombres. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre, ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre, mais c'est moi qui ai triomphé de toi et de mes doutes. Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors ouvre cette cage et mets ta foi à l'épreuve. Vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient, exactement où il doit être. La bête errante, enfermée, va rencontrer sa destinée, celle d'une offrande sacrificielle. Oh, en parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire. Quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'est, pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. J'ai ordonné le meurtre de tous les Noras. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas,
J'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien. Les Nora n'ont rien à voir là-dedans. Laisse-les tranquilles. Bientôt, ils n'auront plus rien à voir avec rien du tout. Ça, tu peux me croire. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau, les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire ? Ton focus, quel puissant dispositif, n'est-ce pas ? Et pourtant, si fragile ? Ah. Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Ma lame est déjà enfoncée. Réjouissez-vous. Ces années passées dans l'ombre vont prendre fin. Une nouvelle aube est sur le point de voir le jour. Une nouvelle ère, prête à prendre forme. Et le moment venu, le faux roi soleil trouvera la mort. Et Méridian, la sacrée, retombera entre nos mains. C'est dans ce but que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément, toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Admirez ! Tenez-vous tranquille ! Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil ? Selon vous, comment une telle nature pourrait-elle évoluer à la lumière du jour ? Si le soleil ne les avait pas bénis et ralliés à notre cause ! Il y a bien longtemps de cela, pour consacrer cette fosse, Miracle a ordonné que des mécréants soient brisés par la fureur d'un mastodonte. Le mastodonte est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'ombre. Que cette femme, que cette fourbe sauvage, soit la première à mourir. Et qu'elle soit la première d'une longue série. Je n'arriverai pas à battre cette chose sans armes. Toutes mes armes sont sur la plateforme, et je ne peux pas sortir de la fosse. Je peux peut-être retourner sa force contre lui. J'attire le mastodonte vers les piliers.
Tu es là. Pour de vrai. Tu as risqué ta vie. Bien sûr que oui. Si tu étais morte, la montagne sacrée d'Enora aurait conservé ses secrets. Eh ben, sache que t'as perdu ton temps. Elise a détruit mon focus. Et le registre Alpha avec. Rassure-toi. Quand j'étais encore en contact avec ton focus, je faisais une copie de toutes les données que tu scannais. Les installer sur un nouveau focus a été un jeu d'enfant. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. T'as vraiment le don de te rendre détestable, Silence. Mais j'ai pas trop le choix. Il est temps d'aller voir où tu es né. Et que tu découvres pourquoi. Oui. Je vais rencontrer la machine qui m'a donné la vie. C'est bien ce qui s'est passé. Au revoir. Attends. Oui. Comment tu as fait pour me retrouver alors que je ne portais pas de focus ? Oh, je t'en prie. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'Elise comptait te jeter dans la fosse du soleil à midi. J'ai épuisé deux galopeurs pour arriver à temps, mais j'ai réussi. Maintenant, va-t'en. Depuis quand tu sais pirater les machines ? Depuis que tu as découvert comment le faire. Pour ça, j'ai dû détruire un corrupteur pour récupérer les pièces nécessaires. Mais là encore, c'est toi qui m'as montré comment faire. Un avantage de plus à suivre tes activités via ton focus. Cela dit, la logique pratiquée derrière la méthode ne diffère pas tellement des rites pratiqués par les chamans baniques. Mais bien sûr, en plus avancée. Super. C'est sympa, je crois. Elise t'a reconnue dans la fosse du soleil. Tu m'as dit que tu avais aidé l'éclipse. Pas que tu connaissais l'homme qui a tué mon... qui m'a presque tué. Maintenant, tu le sais. Cet homme est réellement très dangereux. Alors faisons en sorte qu'Hadès et lui ne parviennent pas à leur fin. Bien. Je vais me mettre en route. Et pour ne rien arranger, Elise a envoyé une escouade de l'éclipse attaquer les terres sacrées Nora. La tribu est déjà affaiblie. Ils ne survivront pas. Je voudrais que tu m'accompagnes. Il en est hors de question. J'ai des choses à préparer ailleurs. Quel genre de... Pourquoi je persiste ? Tu diras rien. Quand le moment viendra, je te contacterai. Je te contacterai. En attendant, si tu dois retourner sur le territoire des Karjas de l'Ombre, je t'ai apporté de quoi te dissimuler. Tu penses vraiment à tout, pas vrai ? Heureusement pour toi. Aloy, pendant que tu récupérais le registre Alpha dans le bunker d'Aube Zéro, je n'aurais pas dû être si cruel. J'espère sincèrement pour toi que quelqu'un t'attend à l'intérieur de la montagne. Un être humain, un vrai. Yah !